Bonjour tout le monde, bonsoir à tout le monde, comment nous y est, nous en forme? Et nous dans la rue Jérémy là, parce que nous connaissons pas oublié. Gros équipe là, équipe Fréa, équipe Shelbert à se jouer. Et nous connaissons allié déjà. Et équipe Jaune et Vert là, le Brésil. Et même l'étape Jojo Dia là. Et bien, il y a un paquet de monde qui t'a veillé. Parce que journée ça extraordinaire. Une journée extraordinaire. Parce que pas oublier que, des fanatiques du Brésil, ça veut dire que c'est fanatique Real Madrid. Des fanatiques Real Madrid, ça veut dire que c'est fanatique Cristiano Ronaldo. Et bien, c'est-à-dire que jeudi à Portugal fait 3-2. Et à 11h, après Portugal, et bien, il y a Brésil lui-même qui t'a joué à 2h. Et nous comptons comment ça a fini déjà. Nous comptons comment ça a été. Exactement, match a fini 2-0. Et son doublé de Richarlison qui font un deuxième goal qui est extraordinaire en acrobatique. Et bien que nous devons montrer comment Villa y est. Et je dis, on a passé dans quelques zones pour nous montrer comment Jérémy a après victoire. Ça, parce que nous connaissons, nous vraiment et pas négocié Brésilio. Et qui te dit nous que déjà, et bien, il y a des bandes qui sont dans la rue déjà, la fanatique qui a fêté. Et parce que nous connaissons année ça, nous avons fait en 2002 et nous avons fait en 2022, même Jean encore. Comment on va chauffer taxi là avec Mario Brésil yo, sur yo. Et nous avons monté aux chasses là. Nous saluons tout le monde, nous sommes Ralph Simon. Nous connaissons des gens qui ont suivi nous là sur JCOM, des gens qui ont suivi nous sur Ralph Simon. On va regarder là quelques bases comment ça est, hein? Très intéressant. Ah, c'est une grosse équipe qui se joue là. On a Ria, nous avons fanatique. On a fanatique, bon la Ria. On a. En forme. Lundi, ça fait deux! Ma fini! On a monté la zone de chasse là. Il y a un côté là qui a une grosse fête là. Nous allons faire la zone caracoli pour nous voir comment la rue est. Parce que nous avons un paquet de bonnes personnes qui ont levé bonnet à 4h. À 4h, à 5h, qui ont joué. Et qui ont pris un DA1. Et ils ont veillé pour nous voir est-ce que nous avons perdu tout. Comment? Et ça, on a regardé là. Alors, fanatique brésilien qui a suivi par jour, affiché nous. Comment? Levez le drapeau nous en l'air, levez le maillot nous en l'air. Oui, oui. Agana. Et qui va se manger, yo?
pour nous parler. Par cargo 8-9. Bon, mais bon, moulin prochain. On va aller là. Le vieux pied tombé. D'aller. On va aller. Bon, moulin. Et pied tombé, pas vrai? Ouais. Maintenant, live là, on va faire mon nouvel arrière avec Victoire Brésil. Ah, ok. Ma paille là? Non, ma paille. Là, c'est mon lié, c'est la ria. Ou j'y comme? J'y comme frappé. On a peut-être un gabaye. On a continué à gagner l'île. J'y comme là, c'est sa lettre. Mais tu vas gagner un événement sans nous, c'est sa vie. Bon, on a montré comment la ria est après victoire. Oui, bon, on est. Oui, qui voisin qui t'a nous perdu tout. Allez non. Allez, tu t'as jeté notre Geoffrey. Notre Geoffrey. Yeah. Avec la main. La passe exactement. Et zone Saint-Hélène, nous allons commencer à aller. Malheureusement, beaucoup qui a croisé avec Banna. La seconde Banna qui est déjà dans la rue déjà. Après victoire.
Les qui t'a fait au content? Les qui t'a fait au content? Patrick, a fait marcher, man? Ah, moi j'ai dit vous bien jouer. Ah, même content ça tout, oui? T'as fait ça, les fanatiques à Jotinho. Patrick Doris, mon gros fanatique argentine. Nice. A fait marcher. Bon, ça profite à Dori TV et ça a fait là pour nous montrer comment la RIA est après le match du Brésil là. Et là, on a descendu sur Grand RIA. Peut-être pour les gens qui ne sont pas trop contre Grand RIA, pour les gens qui ne sont pas trop contre Ville là. Il y a tout quelque chose tout de mon qui déplacé longtemps qui était ville là il y a qui jamba ayoyé comment évolution yé la ville là est-ce qu'il y a un changement ou pas. Je vais annoncer que j'ai deux jours là, je vais chercher un maillot au Brésil là. Je vais jouer dans la ville là. Bon, pas totalement pas jeune non. Ça me joue dans le trop petit, moi c'est small, c'est medium. Je vais jouer dans le Brésil. Je vais Portugal, mais je vais jouer dans le Portugal là, même si je vais chercher le Portugal là. Avant le Brésil là, et le Brésil là, je vais m'acheter avant. C'est ça qui est intéressant, même si. Et fanatique brésilien. Et Cristiano fait mon Portugal là. Sous grand réanoué là. Mais on sait chanter de cachanter. Bon blazing. Brésil bon blazing. Wow. Bon blazing. Brésil bon blazing. Wow. Vous connaissez le bras de Zimba qu'on chante? Bon, malheureusement, je me retourne bon place encore. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas jeune maintenant. On connaît un bail dans le 10 là. On a un gars qui a c'est que la fête continue. On a rappelé notre deuxième match du Brésil là, c'est avec la Suisse. Le troisième match là, c'est avec exactement Cameroun. Et la jeune. Et je dis à bravo malgré que le Ghana
il perd 10 matchs aujourd'hui, mais c'est premier. Mais c'est la première équipe africaine de la Coupe du Monde qui n'a pas gagné, mais qui marque au moins un grand goal. Parce que l'autre jour, il n'y a pas gagné de marquer goal. Oh, maintenant, il y a la zone ça là. Maintenant, la zone là. Mais maintenant, quand vous arrivez là, vous avez fait à forme. Non. Ça est bon dans crivé là. J'aime te dire dans la gue bon dans la rue. Nous connais équipe chère, équipe chelbe va cap jouer. Quoi un plaisir. Let me go now.
Encore une fois, bonsoir tout le monde, nous dans la RIA, équipe JICOM là. Non pas moi, c'est Ralph Simon. Nous dans la RIA aujourd'hui, parce que pas oublier, c'est le premier match équipe Brésil là. Et bien Brésil là qui bat la Serbie 2-0 avec un doublé de Charlison, Et bien que les fanatiques Brésil sont vraiment contents, et bien ils ont la RIA là pour commencer à fêter ensemble avec l'équipe. Thank you.
Merci tout le monde.